Bienvenue à toi, bonjour à toi, merveilleuse année si ce n'est pas encore fait, merveilleuse année 2022, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de santé surtout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Enfin, toutes les bonnes choses, tout ce que tu puisses accomplir, tous tes désirs finalement. Bon, alors donc, merci à toi d'avoir fait ta demande ou peu importe comment ça s'est passé, en tout cas, tu as voulu obtenir peut-être quelque chose ou des renseignements. Voici cette vidéo que je t'ai promis. Donc, aujourd'hui, je voulais te parler de... Ah, bah ça va un petit peu avec les vœux finalement, puisqu'on est en plein dedans. J'ai envie de te souhaiter le succès, mais le souhaiter, c'est facile. Hein, t'as beaucoup de gens qui vont te le souhaiter, et encore, est-ce qu'ils le pensent vraiment? C'est déjà autre chose. Mais derrière, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de faire en sorte que tu en aies? Ça, c'est autre chose. Bon, le succès, c'est global, parce que ça peut être dans tous les domaines. J'ai envie de dire même... À la place de succès, mettons le mot abondance. Ayez l'abondance en tout ce que vous désirez. C'est pas que de l'argent, hein, quand on parle d'abondance. Donc aujourd'hui, je voulais t'offrir cette vidéo sur ce sujet. Alors pourquoi déjà une première vidéo gratuite pour te parler. Bah c'est vrai parce que je sais que tout le monde ne peut pas se permettre. Sur cette page, en tout cas, la page Facebook, même sur TikTok, etc., ou même YouTube, si tu m'as connu sur YouTube, je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter mes services, que ce soit des moyens services, des gros services. Hein. Quand j'accompagne quelqu'un, par exemple, sur un an, selon ce que l'on fait, ça peut monter en milliers d'euros. Donc, effectivement, là, on est sur des accompagnements qui sont assez onéreux. Bon, même si en réalité c'est de l'investissement et non pas de la dépense, puisque derrière les gens ils y gagnent largement. Bon, mais je sais que tout le monde ne peut pas se permettre cela malgré tout. Bon. Après derrière tu as les services de consultation, certains ateliers qui sont à moyen prix, j'ai envie de dire moyen prix. Bon, on peut payer en plusieurs fois, etc. Bon, je sais que tout le monde ça non plus ne peut pas se le permettre à certains moments. De certains moments de la vie c'est plus compliqué, on est d'accord. Donc je voulais te parler justement d'accompagnement cette fois-ci. Alors, ça ne sera pas de l'individuel, mais il existe quand même aujourd'hui un groupe qui s'appelle Sortir de la merde. J'en ai parlé plusieurs fois. Et je voulais t'en parler un petit peu ici, puis te donner un petit peu un petit avant-goût pour te montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, qui te sont accessibles. C'est accessible à la plupart des gens quand même, je pense. Un groupe, je te le dis tout de suite, il coûte 30 balles. 30 balles l'entrée. À l'intérieur, tout est gratuit. À l'intérieur de ce groupe, tout est gratuit dans le sens où tout ce que je vais te transmettre pendant des semaines, pendant des mois, chaque semaine minimum, au moins une fois par semaine, minimum une fois par semaine. Ah, c'est dommage, ça arrive, il faut qu'il y ait un hélicoptère. Bon, au moins une fois par semaine, tu vas recevoir des informations pour t'aider justement à viser cette réussite, cette abondance, ce succès, obtenir ce que tu désires, mais pas dans les rêves, dans le concret. Comment ramener ça à la réalité? Là, par exemple, tu vois, on vient de démarrer, donc l'objectif de ce groupe, c'était de le démarrer en 2022, donc janvier 2022. Alors, on y est, au moment où je tourne cette vidéo, on y est. L'objectif, c'était quoi? Premier objectif, c'est de te montrer que c'est possible aussi pour toi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, sceptiques, qui me disent, et qui disent, en général, ils n'ont pas besoin de moi pour le dire, de même, oui, ça c'est pour les autres. L'argent, la réussite, tout ça, c'est pas fait pour moi. Ça peut pas m'arriver. J'ai pas de chance dans la vie. J'ai de la magie noire sur moi. Enfin, des tas de choses. On peut entendre ou voir des tas de choses. J'ai un gros karma. J'ai un karma d'autres vies qui fait qu'aujourd'hui c'est pas facile. Bon, je peux comprendre qu'il y ait des difficultés. Oui, tout à fait, et c'est vrai. Mais ça veut pas dire que ça soit figé tout ça. Voilà. Le problème, c'est si tu en fais comme une fatalité dans ta vie, si tu restes figé sur ce genre de choses, c'est vrai, tu as raison en fait finalement. Et tu as raison, quoi que tu penses dans ta tête, tu as entièrement raison. Parce que tu le manifestes de toute façon. Et ça, c'est ce genre de sujet, on va en parler. Ben, ça fait partie des lois universelles. Ce que tu penses au plus profondément de toi, que ce soit conscient ou inconscient, tu le manifestes sur Terre. Et ça, c'est concret. Tu vois bien, je suis dans la merde. Ben oui, c'est vrai, t'es complètement dans la merde. Et puis en pensant comme ça, tu ne fais rien pour arranger. Maintenant, si on te donne certaines clés, on te montre, on fait des prises de conscience. Si on te montre certaines choses et qui sont devant toi, j'ai souvent des gens qui me disent, putain, mais après avoir suivi tel atelier ou telle formation, ou des fois quelques mots que je leur dis en personnel, putain, c'était devant moi, je le voyais même pas. C'était devant moi, je le voyais pas.
j'étais complètement conditionné, complètement limité dans des choses qui m'empêchaient de voir et de manifester forcément, puisque je le voyais. Donc si tu le vois pas, déjà tu peux même pas le saisir. Alors une fois que tu l'as vu, il faut être capable de le saisir aussi. Et une fois que tu l'as saisi, eh bien, c'est d'en faire quelque chose. Tu vois, il y a des étapes, c'est crescendo. Parce que l'abondance, le succès, la réussite en amour aussi, hein, c'est pareil, hein, d'accord. On n'est pas que sur un système d'argent, de travail. Comprenez bien, derrière le mot succès, derrière le mot abondance, ça n'est pas que de l'argent. Bien sûr, l'argent, ça compte, mais c'est pas que ça. C'est les succès dans tes objectifs que tu te poses. Je sais pas, tu veux perdre du poids, c'est la même chose. Tu veux trouver un nouveau travail, tu veux trouver un nouveau petit julou, tu veux, je sais pas, tu veux te refaire la face. Mais il faut dépasser beaucoup de barrières pour y arriver. Une femme qui veut se refaire faire les seins. Tu crois qu'il n'y a pas un travail psychologique qui est là? C'est pas facile, c'est pas compliqué. On va dire, il y en a, ils vont dire, oh, c'est facile, tu payes le chirurgien. Mais attends, il y a une étape psychologique, il y a une attitude, il y a quelque chose pour arriver à le faire jusqu'au bout. Vous voyez bien, arrêter de fumer, c'est pareil, c'est compliqué les gens. Eh ben, le succès, c'est dans toutes ces petites choses ou grosses choses. Ça paraît tellement facile de dire, t'as qu'à arrêter de fumer. Vas-y, va faire arrêter quelqu'un de fumer qui a pris l'habitude toute sa vie d'être comme ça. Alors toi qui es enfermé toi qui es enfermé peut-être dans des limites pour ton travail ou pour de l'argent, où tu t'es conditionné que tu gagnerais pas plus de 1200 euros par mois. Ou alors peut-être que t'es au RSA peut-être depuis des années et c'est pareil, tu te dis je suis bloqué. Alors je connais pas les prix, je te dis des bêtises, je suis bloqué à 650 euros ou 800 euros par mois et je peux pas faire mieux, je sais pas quoi faire. Ou alors t'es à la retraite et c'est pareil, à la retraite dans le sens de l'argent encore, à la retraite, maintenant je suis à la retraite, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas gagner plus. Si, en réalité, c'est faux, tu peux faire ce que tu veux en réalité. Bien sûr, ça demande de se reconditionner un petit peu, de voir qu'il y a d'autres solutions, prise de conscience, et puis de passer à l'action et de poser des choses. Alors tu vois bien que c'est vrai que quand on est tout seul, je dis pas qu'on peut pas y arriver, on peut y arriver quand on est déterminé. Ça veut dire qu'on a déjà fait un pas en soi. On est plutôt libre déjà en soi quand on est capable par soi-même d'avancer tout seul. Mais déjà c'est plus long. Tandis que quand t'as quelqu'un qui te booste et qui te montre quelque chose tout de suite, tac, ça sert à ça des guignols un peu comme moi, tu vois. Les espèces de guignols, regarde comme je suis, coucou. Tu vois, il y a des guignols un petit peu comme moi, bon, ils sont sur internet, tu peux en retrouver dans la vie, certains vont t'aider ponctuellement avec une phrase, il va se passer un déclencheur, tu vois, ah ouais. Et puis t'as des gens, c'est leur métier, comme moi, j'en fais tous les jours, j'accompagne des gens, tous les jours j'ai des gens en consultation et toutes les semaines j'ai un suivi avec des gens, le mardi par exemple, c'est un suivi avec les gens et j'accompagne les gens pour des projets à long terme, que ce soit dans le business, que ce soit dans leur forme, que ce soit dans leur libération émotionnelle, mentale, bon, tout ça j'en parle régulièrement dans les vidéos. Mais tu vois, ces personnes-là, si à un moment donné elles n'avaient pas pris entre guillemets leur courage à deux mains et de se dire oui, je peux pas y arriver tout seul et peut-être que quelqu'un peut m'aider à avancer, et bien ces personnes, ils arrivent à avancer et je leur donne des, c'est même pas des raccourcis, parce que les raccourcis ils sont déjà là, c'est-à-dire que c'est pas moi qui va construire un chemin, tout ça c'est déjà là, c'est juste que vous aviez pas vu qu'on pouvait faire très beaucoup plus vite. C'est-à-dire que au lieu de bâtir ton succès, quel que soit le domaine, hein, cigarette, amour, les seins, ce que tu veux, allez, ce que tu veux t'acheter un jacuzzi, ouais, mais attends, il va me falloir un toit, oui, mais il va falloir faire une dalle, oui, mais il va falloir tirer la grosse gaine d'électricité, oui, mais il faut de l'argent, oui. Et puis tu le fais jamais. Alors qu'à un moment donné, paf, t'appuies sur le bouton commande, le machin, il arrive, ça se pose, tac, 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 c'est fait. En réalité, très rapidement, c'est fait, tu vois. Ça pourrait être fait très rapidement si tu te posais pas toutes ces questions dans ta tête, tu vois. Bon, et ben ces personnes-là, quand tu leur donnes une certaine direction et que tu es avec eux et que tu poses les choses, et ben tout de suite, il se passe quelque chose, ok. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la possibilité d'être accompagnés personnellement. Oui, ok, ça demande un certain coût, effectivement, mais derrière, tu y gagnes parce que qu'est-ce que t'es plus heureux déjà d'une part. Et puis en plus, souvent, on y gagne en argent en réalité. On le voit très vite, quelles que soient les circonstances. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que, enfin aujourd'hui, ça fait quelques semaines déjà, je vous en parle, j'ai ouvert un groupe, Sortir de la merde. C'est un groupe, justement, le fait de faire un travail en groupe, certes, c'est pas personnalisé, mais ça touche quand même beaucoup de domaines.
Et ça va vous aider à avoir un éveil de conscience en vous, de prendre conscience de certaines choses. Un peu comme je suis en train de vous dire des choses un petit peu là. Peut-être ça commence à éveiller quelque chose. Peut-être c'est pas le moment pour vous aussi, hein. C'est pas toujours le moment. Maintenant, le fait d'avoir un groupe qui n'est pas là pour un service unique une fois, ou comme un atelier, tu vas suivre un atelier de 2 heures, 3 heures, que ce soit en ligne ou en conférence, j'en sais rien, moi, en vrai. Il faut être prêt à ce moment-là pour ce sujet-là. Tandis que là, quand tu es sur un groupe et qu'on le fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une motivation de groupe qui se fait sur le temps. Donc il y a des jours où tu seras pas open à cela, et puis il y a des jours où tu l'es. Et ben, quand tu es déjà inscrit, c'est bien parce qu'au moins, c'est là. C'est là quand on a besoin. Et tu as toutes ces données qui sont là parce qu'on va les cumuler, ces données, au fur et à mesure. Et étape par étape, crescendo, je vais vous faire monter, monter, monter. Donc là, on en est à l'étape, comme je vous disais, de prise de conscience que c'est possible pour vous. Donc, petit à petit, les premières publications, c'est vraiment basé à ça pour vous montrer que c'est possible pour vous, quel que soit le domaine de ce que vous voulez réaliser. Je vais vous le montrer concrètement. Et on va appuyer un petit peu sur le domaine du travail au début parce que ça compte pour beaucoup. Je suis désolé quand on ne gagne pas sa vie. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre certaines choses et c'est bien dommage. Donc on va commencer effectivement sur ce côté-là. Mais on va découvrir que le monde du travail, vous verrez que le monde du travail ne devrait pas être considéré comme du travail. Déjà ça c'est une première base et je vais vous montrer le concret que même si tu ne le vois pas comme un travail, tu peux très bien gagner ta vie, quel que soit le domaine. Et je vais vous le montrer en chiffres d'ailleurs dans le groupe. Alors ensuite il va y avoir le côté de motivation. Ensuite il va y avoir... Alors ça, la motivation, ça va être tout le long, hein, d'accord ? Mais vous allez avoir après le côté prise de conscience que c'est possible pour moi ou pour toi, tu vas avoir le côté développement personnel. Eh oui, on va faire du développement personnel aussi, hein. Vous allez apprendre certaines choses. Je vais vous transmettre certains dossiers, certains fichiers qui sont aujourd'hui plus ouverts qu'à l'époque. C'est vrai que sur Internet, on commence à trouver beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'on en trouve trop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Internet, vous trouvez trop de choses. Ce qui fait que c'est pas cadré. Et tu passes ton temps à lire, à écouter des conférences, des machins. Tu n'arrêtes pas d'écouter. Tu perds un temps fou quand t'es quand tu rentres dans ce jeu-là. Tu ne t'arrêtes pas et c'est pas, comment dire, c'est pas synchronisé, c'est pas structuré. Du coup, tu t'y perds à la fin. Trop d'informations tue l'information. Et donc là, l'avantage de ce groupe, c'est qu'on va y aller crescendo, de façon structurée, et pour t'amener d'un point A vers un point Z, déjà. Alors, bien sûr, ça ne sera pas comme le côté pratique que l'on fait quand on est ensemble, en suivi, de maître à élève, entre guillemets. Mais déjà, il y a cet aspect au moins théorique, pratique et prise de conscience qui sont là dans ce groupe. Déjà, ça va te permettre un gros avancement. Pour 30 balles une fois à l'entrée, franchement, c'est que dalle, tu peux même payer en plusieurs fois. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont vraiment ric-rac. J'ai vraiment fait ce service à un prix complètement dérisoire pour qu'un maximum de gens puissent accéder à ce genre d'informations. On va vraiment voir des informations clés et profondes. D'accord ? Dans ce groupe. Et c'est très important parce que si on ne met pas le doigt sur les choses essentielles qui vont faire toute la différence pour toi et ton avenir et tout ce que tu vas poser forcément avec, malheureusement si on ne met pas le doigt dessus, tu vas encore ramer des mois, voire des années ou peut-être même toute ta vie et passer à côté de quelque chose qui peut être merveilleux alors que c'était juste devant toi. Voilà, alors juste devant toi, tu peux voir comme un terrain de foot. Sauf qu'en réalité, à un moment donné, peut-être que tu vas arriver à pointer l'œil sur « Ah putain, mais il y a cette étiquette bleue là, il y a peut-être quelque chose là. » Alors que ça faisait des années, c'était devant toi, tu ne l'avais encore pas vu. Mais oui, mais parce que t'étais trop enfermé, trop limité à ce moment-là. Et si maintenant on déverrouillait ça et que tu te mettais à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Oh, c'est pas de la clairvoyance que je te dis pas, tu vas voir des fantômes, c'est pas ça du tout. Mais que ça se pourrait être possible. Mais tu comprends, il y a des choses qui sont très physiques, qui sont devant nous, on ne les voit pas. Et parfois, elles sont en nous et on les revoit encore moins. Donc déjà, on va réparer l'intérieur et vous verrez que vous verrez vachement mieux à l'extérieur. Voilà. En tout cas, si ça t'intéresse, tu reviens envers moi en message privé et tu me dis « Ok Stéphane, moi, écoute, tu as éveillé au moins ma curiosité. Je te fais confiance, j'ai envie de te tester pour 30 balles. Je te teste concrètement pour voir si concrètement tu peux m'apporter des choses. » Parce que les lives, c'est une chose,
Mais dans un groupe, quand c'est structuré, c'en est encore une autre. Alors, moi, je vous invite vraiment, testez-moi pour 30 balles. Franchement, au pire, vous aurez perdu 30 balles, mais je pense pas que vous allez le regretter. Voilà, je vous en dis pas plus. Si ça t'intéresse, viens voir de plus près à l'intérieur. Plein de bisous, à très vite et merveilleuse année à toi dans tous les cas. Bye bye.